Jovenel, merci Jovenel, parce que vous faites une petite petite. Parce que tout le monde a fait, il dit oui, il faut que assister sur ce qu'il a fait. Qu'on y a son petit monde lié, qu'on y a un petit petit. Là, je dis Jovenel, merci. Merci Jovenel. Et le petit maman est pour la police. Je ne suis pas la police qui paraît pour le petit. Je porte mon petit monde, ça a secours. Pour le David, secours. Et nous avons pour le petit. Bon, je viens de garder, nous. Bon, je viens de garder, bon, porte parents, secours. Ou pas, j'en mouais. Ou pas, j'en mouais. 15 ans, passez la passe. On habitue à rien, oui, passer la passe, et puis qu'on y a pendant la passe, les gens visent et puis ils tirent les dans la tête. Ils ont mis sous le Front National, moi arrêté. Moi dis, Jovenel, merci. Merci qu'on y a livré et petit moi en bas. C'est cadeau sale qui était pour moi. Je dis merci, merci. Merci, Jovenel. Merci, Jovenel. Merci, Jovenel. Merci, Jovenel. Merci, merci. Non, pas maman, c'est et Marie Rosette Etienne. Non, pas c'est et Astrid Alfred. Non, moi pas ta velle. Où songez comment ça te ou pas nous explication? Bon, jusqu'à présent, moi pas présent. Mais moi, ouais, dans la télé, comment frère m'en passé. Et c'est pas comme ça, nous te voulons te passer. T'as regardé la télé? Oui, moi t'as regardé le pendant l'IAT, pendant les points balles là. C'est pas comme ça, nous te voulons le passer. Mais. Je connais le bon Dieu. Je viens de jouer justice. Je viens de jouer résultat. Non, complet, c'est. Non, complet, non, voilà. Wilson Flambert. Moi, je viens de merci avec tout le criminel. Il va assassiner. Il a gagné. Il a gagné. C'est femme dans la tête 15 ans. Bon, balle la tête crasée, c'est belle. Mais ça, c'est tout ça. Et je dimanche, je tue M. Bob 10h. Je suis pardon, comme il a supporté la police. Comme il y a un major, la police a parlé, il dit qu'il y a une association qui était faite, il a supporté. Mais il a parlé dans la radio, il dit qu'un policier est tombé, l'autre policier est blessé. Mais pas même quand il dit qu'il ne peut pas te supporter là. Si tu es supporté là, vous voulez dire que l'autre qui est victime, comment l'appeler de vous? Il ne va pas dire rien. Même si je chef de la police, comme ça, mon cher, il y a un grand, même pas, ça, je ne vais pas apprécier. Je viens encore là, un bon assassin. Il n'y a pas même qu'on tire la gueule, parce que ça, non, mais il y a des petits peuples là. Et nous, nous disons, nous demandons justice pour battre. Pour l'habitude à la manifestation. Il y a un habitude à supporter. Mais la justice pour vous faire non. Et non, pas j'ai un habitude là. Tiens, j'en suis capable de constater. On vient avec moi. Madame Rosette Etienne, c'est maman Wilson Flambert. Wilson Flambert, pardon. Astrid. Alors, Rosette Etienne, maman Wilson Flambert. Astrid Alfred, c'est la soeur aînée de Wilson Flambert. Et Junol Rivellor, qui c'est le grand frère. De Franzi Frivelo. Alors, deux mouns a yo, Franzi Frivelo, 25 ans, et Wilson Flambert, qui gagne 15 ans, tous les deux, yo assassiné yo, dimanche, le 23 février 2020. Dans qui circonstance yo assassiné? Tout le monde connaît, la police t'a lancé en manifestation pacifique. L'homme dit la police pour me préciser. Des gens dans la police, des policiers qui voulaient un syndicat dans la police. Et ont demandé pour des gens dans la population qui viennent supporter. Et c'est comme ça. Wilson Flambert qui a 15 ans seulement. Et Yves l'homme, Frandi, qui a 25 ans, ils ont trouvé au champ de masse pour supporter les policiers. Et c'est comme ça. Monsieur militaire qui cantonné dans le quartier général, qui postait. Dans tout 2004, qui ça y a fait? Mon yonik paré de champ de masse, yon tombé tiré. Les militaires ont tiré à hauteur d'homme, yon pas épargné personne, yon tiré avec des armes de gros calibre, yon posté dans tout 2004, et c'est comme ça. Wilson Flambert qui a seulement 15 ans, pendant la courir pour quitter champ de masse là, le gardé loi militaire yon a tiré. Monsieur assassiné, il prend un balle derrière la tête qui prouvait qu'il patte dans la bataille, c'est pendant la pourrie au tirel. Et tête écrasée, il est transporté de l'hôpital général, il mourit 2 heures plus tard. Et
Monsieur privé l'homme, Frandi privé l'homme, 25 ans, lui-même tout, il était dans la manifestation pacifique là. Il courit, quitte champ de masse là. Pendant la courir, lui-même tout, monsieur militaire, quitte dans le quartier général, quitte dans tout 2004, il a tiré, il a pris une balle derrière tête, écrasé. Les deux ont été assassinés au champ de Mars le 23 février 2020 à l'occasion d'une manifestation pacifique. Ils n'ont pas de zam dans main, ils n'ont pas de bataille avec l'armée. Et de plus, on a parlé de l'armée illégale. Et première action l'armée a fait, c'est petite population qui a assassiné. Pour cette raison, nous sommes porter plainte cabinet d'instruction contre tous les membres de cette affaire de haut état-major de l'armée illégale de Jovenel Moïse, monsieur Lesage, avec tout l'autre monde qui accompagne lui, de cassité, nous portons plainte contre Jovenel Lesage, nous portons plainte contre Sadrak Saint-Il, nous portons plainte contre Jonas Jean, nous portons plainte contre Jean-Aubert Gabriel, nous portons plainte contre Joseph Jacques Thomas, nous portons plainte contre Derby Guerrier, nous portons plainte contre Fontaine Beaugrin, tous ces membres de l'état-major, l'armée illégale là. Et pour nous, c'est une association de malfaiteurs, parce que par aucun cadre légal et réglementaire qui parlait de fonctionnement l'armée ça, pas de loi sur l'armée et la police, pas de loi sur relation entre l'armée et la population. Pour nous, c'est une association de malfaiteurs. Alors, les parents des victimes ont porté plainte ce matin contre les membres de ce haut état-major de cette armée illégale et criminelle pour association de malfaiteurs et assassinat, parce que ce sont des crimes prémédités. Pas de gain tiré, Jean Mas, c'est eux-mêmes qui commencent à tirer. Ils ont déjà posté dans tout 2004 là. Pour commencer à tirer moun en privé, il a tiré sans arrêter, il a tué moun, il a blessé moun, il a assassiné moun, il a massacré moun. Maintenant, il appartient à la justice criminelle de se prononcer sur ce qui s'est passé. Et le procès de cette armée criminelle vient de commencer aujourd'hui même avec cette plainte que nous avons déposée au cabinet d'instruction contre les membres du état-major de cette armée criminelle et illégale. Et moi, espérer d'ici ce soir ou bien d'ici demain matin, doyen pour distribuer dossier à bas en juge d'instruction. Et d'ici la semaine prochaine, Jovenel Lesage, tout l'autre, il apparaît devant la justice et il a jugé pour ces crimes d'assassinat que il commet le 23 février 2020. Encore une fois, on est capable de comprendre quelle qualité de conséquence. Bagay ça a déjà commencé pour toute la population hein, en termes de souffrance, même la mesa qui était écrasée parce que c'était un comportement inacceptable, non pas dit qu'on est obligé de craser. Je dis à la mesa, je venais le remobiliser sans pas une loi qui réglemente le fonctionnement. Et la mesa, premier ça le fait, c'est le monde qui commence à assassiner. Le procès de cette armée commence. C'est un procès de rupture, c'est un grand procès, c'est un procès historique et nous attendons que la justice criminelle haïtienne se prononce, assume ses responsabilités par rapport à ce qui s'est passé. Et encore une fois, funérailles sont supposées faire d'ici la fin de cette semaine, samedi, et nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous déjà entendons, nous avons fait funérailles et Wilson Flambert, cet adolescent, et l'autre cadavre là, il a déjà transporté au CAI parce qu'il n'a pas de carité, tête la crasée totalement, il est mort dans l'hôpital Benameuse, au centre hospitalier très prestigieux. Et n'a pas accompagné la famille en bas au support, non seulement pour les funérailles, mais pour que la justice puisse assumer ses responsabilités. Voilà en gros le sens de notre présence ici ce matin au palais de justice.